Une fleur est composée de plusieurs pétales qui protègent les organes reproducteurs de la fleur. L'organe mâle est appelé l'étamine. Il produit les spermatozoïdes que l'on appelle plus communément le pollen. L'organe femelle est le pistil qui contient l'ovule qui devra être fécondé. Les grains de pollen vont descendre jusqu'à l'ovule et le féconder. À partir de là, la fleur va faner et apparaîtra un fruit qui est porteur des graines de reproduction.